Lorraine Lévy, réalisatrice. Marc Lévy, écrivain. Bonjour, je m'appelle Virginie Ledoyen. Enchantée. Et c'est pour le film de Lorraine Lévy qui s'appelle Mes amours, mes amis. Every day I get in the queue. To get on the bus that takes me to you. I'm so nervous I just sit and smile. Your house is only another mile. Thank you, driver, for getting me here. You'll be an inspector, have no fear. À part se marier comme des dingues. De plus supportable que quelques mois. Ah oui, dans un couple normal, je suis d'accord. Mais nous, c'est pas pareil. Pas pareil. Non, on couche pas. Ah oui, t'as raison. Ça, c'est un plus. Bah oui. Je joue une jeune femme qui s'appelle Audrey, qui est journaliste et qui fait un reportage à Londres et qui rencontre un libraire joué par Vincent Lindon et ils ont un. Voilà, et ils tombent amoureux. Elle est très très vite séduite par lui. Je crois que ce côté extrêmement maladroit et indécis la séduit. Peut-être pas la toute première scène, mais quand elle le recroise par hasard dans ce lycée, cette école française, elle est très vite séduite, intriguée en tout cas par le personnage. J'ai pas beaucoup de temps. Mon caméraman est reparti à Paris, j'ai plein de plans à faire et je dois me débrouiller toute seule, je sais pas par où commencer. Je vais vous filmer, moi. Vous savez cadrer ? Je peux vous dire que si je vous montrais mes films de vacances, vous seriez drôlement épaté, hein. Déjà, j'aimais bien le premier film de Lorraine Lévy, que je trouvais vachement tendre. Et puis l'idée de faire une comédie romantique, justement, et puis alors en n'ayant absolument pas peur d'éculer les codes, ça me plaisait. J'avais envie de travailler avec Vincent Lindon depuis longtemps. Et voilà, et je trouve que Lorraine, c'est quelqu'un qui est très délicate dans la vie, qui est une fille très intelligente, très, très brillante. Et que voilà, qu'elle allait réussir à faire, quand bien même c'est un bouquin de son frère, qu'elle pouvait s'approprier ce film et le faire sans en avoir peur, quoi, sans se dire, sans avoir peur des codes du genre. Donc. Quant à moi, ce qu'on pourrait imaginer, je ne me suis pas réjoui du fait que Lorraine faisait le film parce qu'elle est ma sœur. Je me suis réjoui du fait qu'elle fasse le film parce que j'avais absolument adoré son premier film, la première fois que j'ai eu 20 ans. Et que c'était parce que très amoureux de ce film, de son regard de réalisatrice, de sa façon de diriger les acteurs, de tout l'émerveillement qui était né de, chez moi de la vision de ce film, que je suis allé voir Dominique Farrugia et que je lui ai dit « Écoute, il faudrait que ça soit Lorraine qui fasse le film. » Moi, ce qui m'a tenté, c'est que j'ai adoré ce livre, que je le trouvais intelligent, poétique et juste. Juste dans l'époque qui est la nôtre. Et je trouvais ça très intéressant d'imaginer une comédie à partir de l'histoire et des personnages proposés par Marc, qui mêle à la fois l'amour, l'amitié et qui traite de thèmes comme la solitude, comme la difficulté à aimer et à dire l'amour. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui me passionne, que je trouvais passionnant. C'est pas du tout ce que tu crois. Les enfants, un peu de vin ? Ouais ! On rigole. C'est qui fait la bouffe ? C'est le mien. Et les courses ? Ben, le mien. Oh la vache! Ton règlement, je commence à en avoir marre! Quand je suis arrivé sur le décor du tournage, qui est donc une vraie rue, j'ai eu cette jouissance de, vous savez, de ces livres d'enfants qu'on ouvrait, tout à coup il y avait un décor qui, hop, qui sort en relief. Et j'ai retrouvé une rue qui était plus vraie que dans mon livre. Donc ça a été un moment magique. Every day I get in the queue. To get on the bus that takes me to you. I'm so nervous I just